c'est bon. Coucou Jean-Sylvain, comment ça va? Bah ça va très bien. Ça va? Putain, ouais. enfin le grand retour de Juvenils. Enfin, ouais, après quelques années, ouais. Et ouais, bon, donc 2 mois, là, on se situe, dans 2 mois, va sortir le 2e album de Juvenils. Ouais. Without Warning. Ouais, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui a changé dans Juvenils? Qu'est-ce qui a changé dans la musique de Juvenils, là, durant toutes ces années d'attente? Eh ben écoute, il y a pas mal de trucs qui ont changé, notamment le fait que pendant ces années, donc pendant la tournée qu'a suivi le premier album, on a avec le groupe de live pas mal tourné, donc avec Christophe, Ousseinou et Thibaut. Et donc on a rencontré pas mal de monde sur la route, donc voilà, le premier album avait été produit par Yuxeg, donc on a également fait de la musique ensemble. Ousseinou a monté un groupe qui s'appelait Clarence. Ouais. Que j'ai pas mal accompagné. Christophe a donc depuis pas longtemps fait son projet ambiante modulaire qui s'appelle Le Comte. Qui est un super projet d'ailleurs, ouais, entre parenthèses. J'adore bosser avec ce mec là et c'est un super gars en plus, donc on s'entend hyper bien. On va pas trop le flatter hein, parce qu'on parle de toi aujourd'hui, mais... Non mais justement en fait ça y vient parce que le fait de l'avoir aidé à monter un peu son projet, à le produire, tout ça. Finalement quand on a fait Juvenil ensemble, lui, il était fort de cette expérience de Le Comte, de ses synthétiseurs, de vraiment bien connaître ses machines. En fait, ça nous a beaucoup, beaucoup servi pour faire des nouveaux morceaux avec Juvenil. D'accord. Alors, j'ai pu comprendre qu'en fait, Juvenil, à la base, c'était un trio en 2001. Ouais. Et au fur et à mesure, maintenant, c'est quand même ton projet avec ton groupe. Et c'est plus toi qui as l'initiative de toute la création artistique. Ce que tu me dis, c'est que en fait, tout le monde dans le groupe peut apporter aussi des choses à faire l'édifice. Ouais. Ouais, dans le groupe, et même, comme je parlais des rencontres, mais même des gens qu'on a rencontrés un peu après. En fait, contrairement au premier, c'est ça qui est marrant, parce que j'assume sur celui-là un peu plus donc le rôle de leader. Mais en fait, cet album, il y a eu plus de monde y a participé. Que ce soit Christophe, ou c'est nous, ou même, donc, je pense à Hélène, qui est donc la chanteuse de Nova Art, qu'on a rencontrée à Beijing, en Chine. On a fait du studio ensemble, elle a chanté sur Clarence, on a fait des morceaux ensemble pour Juvenil. Il y a eu Joachim, que j'ai rencontré à New York, donc avec qui on a travaillé, avec Christopher et Ben, qui ont fait la basse et la batterie sur l'album. En fait, il y a eu beaucoup plus de monde qui a participé à cet album-là, et c'était, je pense, la grosse différence avec le premier, c'est ça. D'accord. Et musicalement, est-ce que c'est la même musique? C'est toujours de la synth-pop Ouais, alors c'est de la synth-pop. Moi, je voulais un truc un tout petit peu plus chaud et acoustique sur cet album-là. Donc il y a quand même beaucoup plus de vraies batteries, vraies basses, régulièrement, même dans le traitement des synthés et des machines. Le fait d'avoir bossé avec Joachim, il y avait toujours un truc très... Joachim, c'est quelqu'un qui a un studio, mais qui a une grosse table de mixage, qui a pas mal de... Pour situer Joachim, donc DJ, producteur électro, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est le... Donc lui, à la base, il a son projet à lui, mais il est également producteur, il a son label qui s'appelle Tiger Sushi. Et donc c'est lui qui avait produit le premier Pony Hawks, des groupes comme Die, des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est via Die qu'on l'a rencontré, puisque nous, on a fait des prises avec leur batteur, Guillaume Russell. Et ouais, le simple fait de bosser avec Joachim, ça a changé énormément de choses parce qu'il a une vision très, très particulière d'enregistrer, même les boîtes à rythme et les trucs comme ça. Pour lui, ça sort, ça passe dans divers périphériques, ça se triture, ça se bricole dans pas mal de choses. Et c'est vraiment hyper intéressant de bosser avec lui. Et alors, du coup, tout ce bricolage amène sur ce nouvel album. Et donc, il y a un pré-single qui est sorti déjà il y a quelques semaines. Ouais. Et il y en a un nouveau qui sort d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Et c'est toujours aussi dansant. Il y a une volonté aussi de faire la fête à travers cette musique-là, j'imagine. Ouais, alors c'est marrant. La suite de l'album est toujours aussi dans la même veine dansante. Toujours sur certains titres, après un peu comme sur le premier, il y a pas mal de morceaux un peu mid-tempo justement sur lesquels, ou même au niveau du chant, des paroles, de la production, on a un côté vraiment plus intimiste. On a essayé de passer un peu, donc évidemment il y a des morceaux qui font vraiment le lien avec le premier, comme tu dis, très dansant, assez efficace, et puis il y a quand même des grosses plages assez aériennes sur cet album-là que j'aime beaucoup. Et au niveau des histoires, des titres, qu'est-ce que tu as voulu raconter dans ce nouvel album? C'est cette histoire pendant 2-3 ans que voilà, tu es en tournée, etc. Qu'est-ce que tu as voulu partager avec ton public Qu'est-ce qu'il raconte? Je pense que quand tu t'arrêtes un peu comme ça, comme on l'a fait, et que t'as un peu toutes les angoisses qui sont liées à ça, tu peux un peu te demander pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a l'angoisse de la page blanche, pourquoi t'arrives pas à écrire. Et ça a été une grosse période d'introspection pour moi. Tu l'as vécu, cette page blanche? Ouais, un peu, ouais, carrément. Au milieu, en sortie de tournée, quand toute la pression retombe,
à un moment donné tu te retrouves au studio, tu n'arrives pas à écrire et du coup tu commences un peu à te demander pourquoi t'es comme ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quoi. T'as introspection sur toi-même, qui es-tu vraiment après tout ce que t'as vécu, est-ce que t'as changé ou pas j'imagine. Ouais voilà c'est ça, et du coup ça m'a amené à m'intéresser à pas mal de trucs. Et finalement dans les paroles et un peu dans le. Donc il y a un peu des cycles sur cet album là, mais ça parle pas mal de ça justement. Ouais. De l'introspection, des problèmes qu'on peut avoir, comment c'est lié. Le premier c'était vraiment comment les soucis d'enfance peuvent te forger la personne que t'es, tu vois, quand t'arrives à. Je sais pas, le premier je l'ai fait, je devais avoir 26 ans, un truc comme ça, ou 25 ans, et c'était un peu qu'est-ce qui s'était passé quand j'étais gamin pour en arriver là. Et là c'était un peu plus. Ok, donc là ça va pas trop. Pourquoi ça va pas trop et comment je peux le faire en chanson quoi. Il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est que quand on écoute Juveniles, quand on peut lire aussi Juveniles à travers les médias et tout, il y a souvent le parallèle avec des groupes forcément anglo-saxons, comme Taxi Girl, le New Order, The Smiths. Ce sont justement des groupes que tu as en référence. Toi, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Alors moi en ce moment j'écoute des choses sorties en 2016. Alors j'écoute Andy Schauf et Whitney énormément. Ouais. C'est mes gros blocages. Oui, c'est des références, plus disons que c'est des choses qui m'ont toujours accompagné. Et qui sont légitimes, je pense, pour n'importe quel artiste au final. Ouais, voilà, carrément, je pense que. Mais c'est plus facile de caractériser Juveniles avec ce type de groupe par rapport à la musique que vous faites. Avec ce prisme. Ouais. Ouais, alors peut-être un tout petit peu moins sur le deuxième album. Qui est un tout petit peu, je pense, moins maniéré que le premier. Donc forcément, il y a peut-être un peu moins de parallèles avec les années 80-90 à faire. Mais en fait, on écoute un peu de tout, finalement, tous ensemble. Alors beaucoup, beaucoup de pop, évidemment, mais je sais pas. J'ai plus trop de références. T'écoutes ce qui vient et tu vois en fonction de ce qui se plaît, en fonction du moment. Puis je pense qu'on peut se nourrir pas mal de groupes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. En ce moment je suis à fond sur Andy Schauf. Je ferai jamais du Andy Schauf avec Juvenile, mais il y a toujours des choses intéressantes à récupérer chez des artistes comme ça quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui nourrit ta curiosité de manière plus générale au-delà de la musique? Quelles sont tes influences artistiques même de la vie de tous les jours, le cinéma, la lecture Ouais, alors je continue de lire énormément et de toujours mater les films. Hein. Le cinéma pas mal, et notamment depuis pas longtemps, je m'y intéresse vraiment énormément. C'est quoi ton type de film? Mon type de film T'es plutôt du genre Scorsese ou Zemeckis? Scorsese un peu. Là en ce moment, je mate pas mal de De Palma, justement. Ouais. Pour sa façon de filmer la femme et son justement tout ce regard là et en ce moment je me fais un cycle John McTiernan parce que j'ai complètement raté ça étant gamin, donc là je me suis refait Die Hard, Predator, tout ça. Ça m'a toujours intéressé le et notamment dans Predator où je m'attendais à voir un énorme navet et en fait c'est le film est absolument incroyable et sur justement tout ce côté transformation de Schwarzenegger qui justement lui-même doit abandonner complètement sa propre humanité, devenir une bête pour pouvoir survivre. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Non, c'était une bonne période de cinéma avec Matt Carras, c'est sûr. Ouais. C'était pas mal. Bah, en fait, gamin, j'ai juste vu Last Action Hero, tu vois. Donc pour moi, comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Et en fait, pas du tout. Donc, voilà. Et du coup, alors un truc qui m'intéresse aussi, c'est cette ville de Rennes. Donc tu es rennais, tu viens de là-bas. Tu habites toujours là-bas d'ailleurs. Toujours là-bas, ouais. Qu'est-ce qui fait selon toi la différence par rapport à cette ville? J'ai l'impression que comme Bordeaux à l'époque, encore aujourd'hui, comme Clermont-Ferrand aussi, Rennes devient vraiment et de plus en plus une ville à part entière sur la scène rock et la scène indé. Ouais. Qu'est-ce qui fait de cette ville la référence par rapport... Pourquoi autant d'artistes viennent de là? Bah, je pense que déjà à la base il y a un bon terreau tu vois, en termes de sorties, d'actions culturelles là-bas. Donc il y a les transmusicales qui sont là-bas, il y a l'antipode, c'est des gens qui essayent vraiment toujours d'offrir des programmations assez finalement assez ouvertes, assez éclectiques, que ce soit via le festival des transmusicales ou même la prog de l'UBU. Et mine de rien, le simple fait d'avoir ce genre de soirée, ce genre de festival, fait que la scène rennaise se
que presque tout le monde se connaît en fait. Il y a un espèce de truc où c'est un espèce de gros vivier. Ouais, à la base, par exemple, quand on a voulu monter le live de Juvénile, on a trouvé Ousseinou, parce qu'Ousseinou, on s'était croisés dans les mêmes concerts, dans les mêmes trucs. Et il y a un côté challenge, il y a un challenge par rapport aux autres groupes, justement, vous tirez la bourre. Non, c'est vraiment plus de l'émulation, je pense, parce que finalement, tout le monde se rend un peu des coups de main. On répète un peu aux mêmes endroits, on va voir les mêmes concerts. Il y a Jean-Louis Brossard qui fait un travail d'accompagnement là-bas qui est hyper intéressant. Il y a la Nouvelle Vague à Saint-Malo ou l'Antipode qui font un peu le même travail, justement, d'accompagnement des groupes. Il y a pas mal de soirées, notamment comme les gens de chez Crab Cake qui font maintenant le dancing, qui vont programmer qui se sont fait un peu un crew, une famille de DJ qui sont aussi à Rennes, et un peu chacun dans son domaine, mais finalement tout le monde se connaît et tout le monde va voir les concerts de tout le monde. Il y a vraiment un esprit bon enfant là-bas et qui est vraiment super cool. Et c'est un peu inhérent de toute façon à la mentalité rennaise, qui est toujours la mentalité bretonne, hein, qui est un peu une terre d'accueil et de. Ouais. Et tu parlais justement d'action culturelle, il y a un moment c'était vachement intéressant par rapport à cette tournée que vous avez fait de groupe rennais en Asie. Ouais. Alors je ne sais plus exactement le nom, mais je crois que c'était French Tour. Miracle, ouais. Ouais, French Miracle Tour. Qu'est-ce que tu peux me raconter ce truc-là? Comment ça se passe les tournées en Asie? Que vous êtes maintenant, je me dis que vous êtes très connu en Asie du coup. Alors très connu, je sais pas, là on va peut-être y retourner dans pas longtemps. C'est à la base c'est Ismaël donc qui travaille avec plusieurs groupes rennais, notamment nous, qui a monté ce truc là. Et alors nous la première fois qu'on est parti c'était pas sous le nom French Miracle, on était le premier groupe que Ismaël a envoyé là-bas. Et c'est hyper intéressant, hein. c'est pour n'importe qui, hein. C'est un dépaysement total. C'est souvent partir un mois loin de chez soi, en Asie, en Corée, à Taïwan, sur des énormes festivals, parce qu'on se rend. Moi je me rendais pas trop compte, mais ils ont l'équivalent des vieilles charrues là-bas, mais sur plusieurs sites. Ouais. Et finalement au début c'est hyper dépaysant, c'est super bizarre, et en fait quand t'arrives tu te rends compte que c'est un festival comme les vieilles charrues, avec un public comme aux vieilles charrues qui. Le public en fait a les mêmes réactions qu'en Europe, quoi. Ouais, carrément, ouais. Mm. Carrément. Et les festivals sont de mieux en mieux montés. On y allait à un an d'écart, et en un an d'écart, on avait déjà vu une progression, même au niveau technique, au niveau de l'accueil, de l'organisation, de tout ça, quoi. Bon, JS, je t'en remercie pour ce café partagé ensemble. Et on se retrouve dans quelques mois pour la sortie de ton nouvel album, Vivid Warning, chez Capitol. Et bon vent, et puis bon quotidien ce soir. Merci. Ciao, tu embrasses Ryan de ma part. Ça marche.